sens mieux, j'ai plus trop d'appréhension et au fur et à mesure des matchs et des entraînements, ça se passe bien. Je vais poser une question générale concernant l'Euro maintenant, comment est-ce que vous l'appréhendez? Surtout vous, pour vous ça doit être quand même un événement spécial de pouvoir jouer maintenant cet Euro. Comment est-ce que l'équipe de Pologne se prépare? Bien, il n'y a pas trop de pression, ça c'est le plus important. Je pense que le fait qu'on soit aussi un peu jeune, ça permet d'avoir un peu d'insouciance, je dirais. Et on ne mesure pas trop ce qui se passe un peu aux alentours, mais c'est vrai que je pense qu'à partir de lundi, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ce match contre la Grèce, le premier, ça va être sans doute très important de bien démarrer. La Pologne est souvent mal démarrée. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les derniers championnats. Est-ce que vous avez une pression particulière? Oui, j'ai suivi. Il a été important de bien démarrer parce que derrière on joue la Russie. On dira que c'est peut-être la finale de notre groupe déjà. Donc, il va avoir beaucoup d'importance ce match et si on pouvait le remporter, ça serait très bien. František Muda, comment il se comporte un petit peu avec vous en tant que coach, je veux dire? Est-ce qu'il est très à l'écoute? Il vous donne beaucoup d'ordres? Il est sévère? Il est comment? Il est un peu tout, il est ce qu'il faut pour être un bon entraîneur, je pense. Après, avec nous, plus particulièrement les Français naturalisés, on dira qu'il est à l'écoute, il aime savoir ce qu'on pense aussi. Et je pense que le fait qu'on ait aussi 28 ans avec Ludo, il est aussi face à des hommes, donc il n'a pas trop besoin de parler. Justement, avec Ludovic, vous avez une complicité, j'imagine, un peu particulière. Vous devez vous sentir, pour vous-même, ça doit être quand même rassurant de l'avoir dans l'équipe, non? Ouais, c'est rassurant, mais après il faut aussi savoir si c'est sa toile avec les autres personnes et je pense que c'est ce qu'on fait avec Ludo, on essaie de pas trop rester ensemble et parler au maximum la langue et après de tout le moins d'essayer en tout cas parce que c'est pas assez compliqué. Votre intégration, elle s'est passée comment? Bien, je me sens vraiment de mieux en mieux. Je pense que les matchs font aussi beaucoup dans l'amélioration de cette intégration et voilà, je suis content.